Allez, passons à exemple 5 maintenant. Alors, sur exemple 5, tiens-nous comme ça que on a un petit cas start from rest. Start from rest. Alors, start from rest veut dire quoi? Start from rest veut dire que vraiment, it starts. Ça veut dire que c'est égal à 0. And the fact that it starts from rest, alors, ça means that the velocity is equal to 0 m per second. Alors, ça, c'est la première information que quand t'es égal à 0, alors ce particule-là, les 0 m par seconde. Il va commencer à voir ce qui peut prendre 10, 15, 20, 30, 40, 50 et passer dans un commandant de visite l'orbiste là. Il passe à. Et comment dire, je vais l'orbiste, je vais pas chronométrer le véhicule là, et le véhicule là, il y a trust. Alors, c'est le démarrer. Pareil commandant N, les courses, disons, nous, à partir. Et maintenant, les petits comme ça que. So, acceleration is given by this. This is the expression for the acceleration. Alors, c'est 12. T square retiré de 24t. 12 t square retiré de 24t. Et ensuite, elle a plus. Et ensuite, plus 8. Alors, ça, c'est pour son accélération. In the new way, t is 9 seconds after the start of its motion. Ça veut dire en good mode time. Alors, voilà sa time là. Alors, c'est quand ça, c'est after the start of its motion. Ça veut dire, nous dire comme ça qui, l'IP commence à démarrer à partir de point O. Ça veut dire time. Alors, voilà, c'est par rapport à O, elle est là. D'accord, c'est bon, mais là, il va me préciser aucun certain truc là. Mais par contre, il y a nous comme ça que ce déplacement S-meter, il y a nous comme ça que ce déplacement S-meter is measured from O. The displacement is measured from O. If the displacement is measured from O, ça veut dire le mot, mais quand il coûte O, alors ça veut dire le mot, quand il coûte O, alors voilà, ce displacement est 0. Parce que si nous pouvons measure displacement là from O, ça veut dire quand on coûte O là, si je peux mesurer ma distance, nous disons O ici, là, les O ici, je peux bouger. Et au moins, c'est pas N quelques centimètres. Mais quand je peux aller 0, parce que si je peux mesurer ma distance par rapport à O, tout le temps, quand je débute au point O, ma distance est pour 0. Parce que ma distance est par rapport à O. Alors, deuxième information qui nous vient là, ici, c'est quoi là? Deuxième information qui nous vient là, c'est que at O capital, alors voilà, S est égal à combien? S est égal à 0. S est égal à 0 mètres. Mais maintenant, vous êtes. Si à O capital, S est égal à 0 mètres. Et maintenant, l'infini, dis-nous comme ça tout à l'heure là. Get bien. This time in seconds. After the start of its motion. After the start of its motion. But the start of its motion definitely is going to be. Get in 0. In the new particle starts from rest. From a point O. Ça veut dire qu'il peut commencer depuis un point O. Maintenant, il dit comme ça que distance. Alors, voilà, le PMI, la distance par rapport à un point O. Mais si maintenant, particle là, get bien, particle là maintenant, get bien là-haut, et particle starts from rest from a point O. Ça veut dire, en d'autres mots, missing information qui motive ça, mettez aussi ici, c'est que at O, t égale à 0, v égale à 0. Mais maintenant, aussi, nous trouvons qu'une PMI, la distance par rapport à O, ça veut dire par rapport à O, S, c'est 0 mètres là. Vous êtes tout d'accord avec moi pour cette partie-là, que par rapport à O, que STP tombe 0, que STP tombe 0 mètres, pas ici. Allez, si par rapport à O maintenant, STP tombe 0 mètres, alors cela veut dire quoi ça? Alors cela veut dire, comme une information critique qui nous est là, vous êtes d'accord tout à l'heure, l'India là, hein, que the distance is being measured, alors c'est par rapport from a fixed point O. Ça veut dire en d'autres mots que quand on écoute le point O, comme on disait tout à l'heure là, alors, ce distance, ça, les 0, là, parce que sa formule, elle fait mesure la distance par rapport à O. Ça veut dire comme au début de l'eau, point O, ma distance, c'est 0. Et tu finis d'avoir une distance à rest, ça veut dire quand t égale à 0, V égale à 0. Et tu finis d'avoir comme ça, from a fixed point O. Alors, ça veut dire que quand O, t égale à 0, V égale à 0. Mais à la fin, qui y a l'information qui me garde dire que quand mon point O capital, T égale à 0, V égale à 0, S est égal à 0. Crois-moi, il est bien important d'avoir l'information là, parce que quand je vous fais intégration, c'est ça même qui peut être pour balancer la valeur ici là. L'indien, comme ça, find S in terms of T. Allez, vous faites un good. How can you find S in terms of T? Premièrement, nous réécrivons ça. SVA. L'indien, comme ça, find S, ça veut dire find displacement in terms of T. Allez, comment nous allons find displacement in terms of T? Premièrement, qu'est-ce que nous allons faire là? Nous allons prendre A bin B. Après, nous allons prendre B bin. S, besoin du point intégré. Allez, rapidement maintenant. Là. Premièrement, let us find velocity. How do you obtain velocity? You are going to integrate acceleration. Et voilà, quand vous integrez l'accélération par ici, alors cela vous donne 4t cube retiré 12t square. 4t cube retiré 12t square. Et ensuite, voilà, plus 8t plus c. Plus 8t plus c. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est V par ici. Ça, c'est V qu'on peut intégrer.
D'accord, c'est bon, là, il y a une accélération. Et maintenant, voilà, on parle de distance. Donc, à quelle distance, vraiment, vous êtes discipline, pas mauvaise velocité. Et comment je peux trouver clairement maintenant, si je prends place T0 avec V0, voilà, le fait que T0 avec V0, quand T égale à 0, V égale à 0, alors cela veut dire que bien, on remplace 0, 0, 0 ici, là-bas aussi pour 0, mais à la fin, de moi, C est égal à 0. Nous disons comme ça, disons, partir dans sa T là, ici. Disons, partir dans sa T là, ici. Mais c'est type tombe combien? Ça type tombe 0, ça type tombe 0, ça type tombe 0, ça type tombe plus 8. Ça veut dire 8 plus 7 type 0 veut dire que c'est type tombe négatif 8. Le PCJ pas aussi là, ça veut dire là, T, en principe, c'est n'est pas tombe négatif 8 là. Mais là, parce qu'il y a un T ici, ça trouve 0, pas tout 0, alors c'est aussi tombe 0. Alors si CP tombe 0, pas ici, alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que V est égal à 4 T cube, voilà. Ça veut dire que V est égal à 4 T cube, on retirait 12 T square. Et ensuite, plus 8t et plus c, c'est 0. La même chose maintenant, nous n'avons pas aller jusqu'à displacement. Alors, si nous allons jusqu'à displacement, maintenant, je dois intégrer ZOT. Je dois intégrer ZOT velocity. Alors, ce qu'on intègre velocity, pas ici. Alors, cela vous donne quoi là? Quand nous pouvons intégrer l'IP, il donne t power 4. Et ensuite, là, on retire combien? On retire 4t cube plus, on retire 4t cube. Et ensuite, voilà, plus 4t square, plus 4t square, et toujours, voilà, plus c. Là, on a appelé plus d, il n'y a pas de problème, je vais appeler plus d aussi, plus c, plus d, plus a, plus b, même chose, ça, constant of integration, voilà, plus d. Et toujours, la même chose, pour ici, guide bien, quand t égale à 0, s égale à 0, voilà, quand t est égal à 0, s est égal à 0. Mais si je ne passe pas cette bonne information, si je ne passe pas déchiffrer ce truc-là, et puis dans cette littérature-là, mais je finis carrément pas coincé, vous êtes. Alors voilà, moi je vais trouver ici, nous remplace t par 0, nous remplace s par 0. Alors bout en bout, t par 0, vous savez que d, à la fin, que d est égal à la fin, que d égale à 0. Alors cela veut dire que s, l'IP vaut t par 4, on retire 4t cube plus 4t square, parce que bah, le d aussi peut tomber 0. D'accord, je vais bien saisir sa main de côté là. Alors, comme on disait, si sa main de côté, l'intégration n'est rien pour autant parce que ce mal fait sa valeur, c'est là, les restes tout tombent mal en bas. Et là, voilà comme prochaine question dedans. Calculate the time taken for the particle to return to O and its acceleration at this instant. Alors, calculate the time taken for the particle to return to O. Calculate the time taken for the particle to return to O. But for the particle to return to O, allez, il y a une question comme ça pour l'examen. Calculate the time taken for the particle to return to O. Mais comment je te connais, vous autres? Ça veut dire que le moline est allé, mais après, il va retourner. Comment je te connais, at O capital, S égale à, S égale à 0, non? Fais-moi un peu connaître comment faire ça. Mais simple logique, c'est que at O capital ne connaît que distance égale à 0. Qui fait la présentation de la bonne distance? Et c'est parce qu'ensuite, pour la partie B, alors pour le retour de côté O, ça veut dire que notre distance c'est 0, non? Je vais te rappeler, mon petit bout de l'O, ma distance par rapport à O c'est 0. Alors voilà, ça veut dire que O, S égale à 0. Alors cela veut dire quoi? Si S égale à 0, veut dire que T power 4, on retire 4T cube plus 4T square. Alors combien divisé en vous? Divisé en vous 0. Then you're going to have this factorized. D'accord, on ne factorise pas ici. Alors ce qu'on ne factorise ici, cela vous donne quoi? Cela vous donne t square. Et ensuite, t square retiré 4t. Et ensuite, plus 4 égale à 0. Et comment je peux trouver? Là, ça braquette à l'intérieur là. It can still be further factorized. Leaving t retiré 2 to the square. Ça veut dire en d'autres mots, either t square égale à 0, soit ça égale à 0, ou soit t retiré 2 to the square égale à 0. Now, to eliminate the square, nous faisons plus et minus square root, mais pour 0, nous pas mettre plus et minus, ça veut dire c'est square root de 0 qui est 0. Et ou soit, voilà, toi ici, toujours la même chose, to eliminate the square, nous faisons square root de l'autre côté, nous pas mettre plus et minus parce que 0 est neutre. Ça veut dire qu'il y a deux choix, soit quand t égale à 0 ou soit quand t égale à 2. Did you expect to have t equal to 0? Yes. Au commencement, je te rappelle, quand t égale à 0, distance t 0. Ça veut dire en l'autre mot là, maintenant, les monies comme ça, un big good size qui. Alors, ce qui ne parle pas le T, qui question on a demandé là, on a demandé comme ça, qui ne parle pas le T, on a demandé comme ça, qui ne parle pas le T, qui fait de distance 20 par rapport à vous. Mais il peut dire moi, quand T égale à 0, which was initially. Vous vous rappelez, initially, quand il démarre même, les petits au point O lui-même, ça veut dire initially, je suis d'accord quand T égale à 0, alors voilà cette distance par rapport à O, alors c'était 0 parce que l'IPD boucle au point O là-même, mais aussi, il a ventilé tout pour aller l'infini.
Alors voilà, dans 2 secondes, il rirait ton code O. Dans 2 secondes, il rirait ton code O, il est là. Alors voilà, ça veut dire qu'on est égal à 2. Alors, ce petit code-là, il rirait ton code, il rirait ton code O. Comment je peux trouver dans, comment je peux trouver dans la question, et dans Work Solution là plutôt. Et l'ingénieur est calculé sur accélération à cet instant-ci. Mais il n'est pas quelque chose qui est compliqué. Allez, alors, ce que je veux bien faire plutôt sur accélération, alors ça. Il y a déjà une accélération là-bas. Voilà. Accélération, il n'est pas vers 12. Il est vers 12, t square root serait 24 t. Et ensuite plus. Et ensuite plus 8. Mais de l'infini, connaît là, c'est quand t égale à 2 qui libérait ton code O. Mais avec qui vite, avec quelle accélération ça? Avec quelle accélération qui vraiment libère retourner? Il prend 2 secondes, et la fin de ses détours, après il revient. Dans 2 secondes, il finit libérer ton code O tout. Ça veut dire parce que ce distance-ci, ce distance par rapport à O les 0, ça veut dire que le finit retourner ton code O là. Voilà, le bon calcul est vraiment montrer nous que c'est quand t égale à 0, avec quand t égale à 2 qui est vraiment que point O. Ça veut dire quand t égale à 2, il finit par sortir des tours là, pour une réunion. Maintenant, alors, ce qu'est l'accélération à barre d'instinct, je n'ai qu'un apprend place T-Power, je n'ai qu'un apprend place T-Power 2 ici. Alors, cela vous donne quoi quand je prends place T-Power 2? Alors, je vais trouver dans le box solution que c'est 8 par ici. Alors, je veux dire que c'est 8 mètres par, je veux dire que c'est 8 mètres par seconde carré. Ça veut dire que dans notre véhicule là, il rirait ton code point E en 2 secondes avec une accélération de 8 mètres par, de 8 mètres par seconde carré. Alors, et passons à exemple 6, qui est possiblement le dernier exemple, et to be enough, et il peut se capable vraiment et comprendre les mathématiques. C'est supposé qu'il ne comprend pas les mathématiques, ça là, it's just that we have example 6, mais je ne comprends le tout jusqu'à présent. Ben, mais fiales, on ne go for the exemple, si vous avez besoin de question Cambridge, la langue, ce sera un suggested solution comme d'habitude. Et je devrais pratiquer un petit peu le tour, répratiquer, parce que bien là, c'est moi qui l'expliquais, c'est moi qui me copiais, c'est moi qui l'écrire. Moi, après, c'est à copier les questions là vraiment dans votre cahier, d'accord? Mais pratiquer seulement. Les bonnes choses à plaisir, les temps copiés, etc. Questions, je veux dire, mais réponses, non, réponses, mais les autres pratiquer. Pas juste copier le cahier, mais aussi pratiquer réponse. Pratique là, many times as necessary. Get one video là, many times as necessary. Alors, et dans les prochaines vidéos, c'est le dernier exemple 6.